Bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy YouTube, eh bien allez, on y va. Alors ce soir, c'est d'un nouveau livre que je veux vous parler, plutôt d'une compilation de revues, l'Apothecary Magic Magazine d'Armand Porcel. Et oui, ça vient de sortir, voici le volume 7 et 8, et si je vous en parle, eh bien c'est que il me l'a offert, et il m'a fait la gentillesse et l'honneur de faire la préface. Donc, alors l'Apothecary Magic Magazine, à l'époque, dans les années 80, c'était une revue dans laquelle on pouvait trouver plein de choses. Vous pouviez trouver, je vous laisserai regarder, mais de la carte magie, du close-up, du mentalisme, des modifications sur certains tours, des techniques, des réflexions, et puis avec des auteurs bien sûr que vous connaissez, entre autres Tony Slidini, Juan Tamaris, Sébastien Ponce, enfin, et puis bien sûr des routines aussi d'Armand. Donc franchement, ce sont des mines d'or, et puis mis en page sous forme un peu de cahier de travail, vous voyez, très intéressant. Le tour que je vous propose ce soir, enfin que j'ai extrait de cet ouvrage, eh bien c'est Mephisto, c'est d'Armand Porcel bien sûr. Un tour, ma foi, très bluffant sur les spectateurs, surtout quand c'est le spectateur qui le réalise, là j'ai pas de spectateur sous la main, mais n'hésitez pas, c'est vraiment un tour très intéressant, et très bien construit, très malin. Donc si vous voulez cet ouvrage, je vous mets des liens dans la description, des liens vers CC Magic également, vous pouvez le trouver chez lui aussi, et puis toutes les promos et tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Dui et Jeu ce soir nous propose Snack Arnak. Alors c'est un jeu de Gary Kim, à partir de 7 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, et les parties durent moyenne 15 minutes. Les plus du jeu. C'est un excellent petit jeu de cartes, où vous devrez être majoritaire à la fin du jeu dans différentes catégories de plats. Ensuite, plus vous poserez de cartes et moins vous aurez de choix pour la suite du jeu. Pas trop vite, vos cartes offrent un boulevard à l'adversaire, chose vraiment peu judicieuse. Et puis enfin, les cartes raton laveur, eh bien, vont vous permettre de piquer, en fait, les cartes déjà posées des autres adversaires et ainsi leur pourrir la partie. Alors, si vous voulez des infos, il y a une vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Puis sinon, www.guyage.fr, les boutiques, elles sont toutes là. Avant de vous quitter, je voulais faire encore un grand merci à Armand, Armand Porcel, voilà, un très grand cartomane français. Je te remercie Armand de ta confiance, de m'avoir offert le plaisir et l'honneur d'écrire cette préface. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous toutes et tous, l'ouvrage vous plaira. Et je vous laisse donc avec ce tour d'Armand, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Alors pour ce tour, un jeu de cartes bien sûr. Voilà. Tac. Ok. Parfait. On coupe, on mélange. Très bien. Et je vais utiliser les deux cartes comme ça, c'est comme une pince. Tac. Pardon. Voilà. Pour attraper une carte. Je trouve ça assez rigolo, marrant. Donc la carte choisie, tac, en sandwich comme ceci, on la perd dans le milieu du jeu, d'accord. Et puis on mélange, d'accord. Voilà. Bon, parfait. Et normalement le spectateur nous fait 4 paquets, d'accord. Alors c'est moi qui vais les faire. Et puis regardez, on va même essayer d'accélérer un peu. Ok, voilà, donc 4 paquets. Donc on récapitule, le jeu a été mélangé, coupé, il y a eu une carte qui a été sélectionnée, qui était perdue quelque part dans le jeu. D'accord, donc on y va. Voyons voir. On va couper. Et puis prendre une carte comme ceci de coupe. Et puis tiens, on va couper, voir. Hop. Voilà, face en l'air, on va le voir, hein, du coup, qu'est-ce qu'on a. On a un As, et puis on a un As et un 3, d'accord. Ok, As et 3, ça fait, alors on pourrait les ajouter, faire 4 et 3 et un 4, 1, moins 3, 2, on va les former dans le sens où ils sont, 13, on va compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
C'est assez étonnant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis le départ, coupé, mélangé, etc., le spectateur le fait comme il le veut. Et on tombe bien sur la carte choisie, effectivement, le 5 de pique. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse réfléchir là-dessus en vous souhaitant une très belle soirée.